La mort ne fait aucun mal quand tu es avec moi. La houlette de ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu inclines ma tête et ma poussée mort. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. N'appuyez, je coupe les têtes. Devant le Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant, ton passage va nous financer la langue de nos rôles, merci infiniment de ce que tu attends. Passez une bonne journée dans un culte d'adoration que nous avons adoré, au cours d'un chapitre malgré le mauvais temps, malgré mon pas de cap dans la rue, mais tout est dans ton service sur Zoom, sur ligne, et nous te communiquer par frère nous qui t'a prêché. Et en tout, nous étendons. Mais après-midi encore, ligne guerrier du dernier temps, n'a pas commencé avec étude sur la prophétie. Je connais serviteur qui va parler de serviteur qui va parler après-midi à Seigneur sur l'étude de la prophétie, on va envoyer par le Saint-Esprit. Afin qu'il ne parle pas selon lui-même, mais réellement capable de parler le Saint-Esprit. Et que tout le monde qui t'a suivi, capable de se édifier. Avec nous, s'il vous plaît, nous prions au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, frère Dorcelli. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, c'est réellement pour nous un plaisir pour que nous capables ensemble. Cet après-midi, dans le but de continuer avec notre série d'études. Dernièrement, donc, nous avons commencé avec le livre de l'Apocalypse. Et nous allons prendre soin pour nous capables d'étudier et analyser point par point, verset par verset. Dernièrement, nous avons vu Apocalypse chapitre 1er, verset 1 à 3. Maintenant, je dis à nous avoir un privilège pour nous capables de Apocalypse chapitre 1, verset 4. Et nous avons un élément, presque nous avons l'état étendre nous sur un élément qui est essentiel. Maintenant, nous allons demander, comme nous sommes avec nos frères, nous capables de lire pour nous et Apocalypse chapitre 1, verset 4. Apocalypse 1, verset 4. Apocalypse 1, verset 4. Cherchez-les. Ok. Apocalypse 1, verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Verset 4 seulement? Oui, oui, merci. Donc, nous sommes capables de comprendre et de parler nous, là, de sept esprits. Et nous, dans le livre de l'Apocalypse, nous parlons de sept l'Église, nous parlons de sept esprits. Les sept esprits des dieux, il y a un pile en commentaire qui fait. Donc, ce sont esprits des dieux, esprits du Seigneur, l'esprit du Seigneur. C'est un esprit qui baille connaissance, c'est un esprit qui baille conseil, c'est un esprit qui baille sagesse, c'est un esprit qui retire la peur. Et un monde qui a l'esprit de Dieu n'est pas capable de trouver dans la peur, n'est pas capable de peur, la kaeli. Et c'est un esprit qui baille pouvoir, puissance, et c'est un esprit qui baille bon comprendre, qui permet à ce qu'on est capable de comprendre la parole de Dieu. Maintenant, à travers, nous pourrons aller analyser ensemble les sept, le nombre sept, comme nous avons que les mentionnés dans le livre-là, nous pourrons louer le nombre sept, comme hop, many times, là, en partie Bible, ça, nous pourrons louer que le nombre sept-là, il paraît plusieurs fois dans la Bible. Les sept esprits de Dieu, le nombre sept, nous allons analyser l'après-midi. L'important que nous sommes capables de comprendre, symbolise ça, le nombre sept. Le nombre relate
Ah, OK, la sainteté de l'Éternel Dieu, de Jéhovah. It is a very important symbolic number related to the holiness of Jehovah God, hein, qui est relaté, mais que la sainteté de Dieu, His law, His worship, His prophecies, His promises, His perfection, His miracles, and the festival celebrate in His honor. Donc, nom ça, c'est un homme qui vraiment montrer grandeur, mon Dieu, à travers l'oyau, à travers l'oile, à travers l'adoration, prophétie, promesse, perfection, li, et miracle l'a fait, et en pile au fait qu'il a célébré l'Éternel. Après-midi, à nous parler ici, ouais, quelques là-dedans. Et ils ont utilisé le que nous avons des descriptions et tout un important event. Et nous parlons de quelques events, quelques programmes que vous parlez de lui-même. Le nombre 7, les montrer en la plénitude, les montrer la perfection, et les montrer le pouvoir, la totalité et la gloire. The number 7 relate to plénitude, perfection, power, totality and glory. Donc, nous sommes capables de comprendre eh bien, que ça que l'apôtre Jean lui voulait parler, non? Lorsque nous parlons du nombre 7, dans, surtout dans le livre de l'Apocalypse. Dans Revelation chapter 1, verse 4 and to 6, nous parlons que il dit: Grace and peace to you from him who is God, boy, de celui qui est. And who was and who is the call to come, and from the seven spirit before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. Donc, et nous est que Jésus qui s'est l'hypothé, paix, grâce, paix. À moun sa li même qui était là, qui était là et qui a toujours là, et lui-même qui a venu. Et nous pouvons faire mention de sept esprits. En nous, ouais, les sept églises, nous pouvons parler des sept églises d'Asie mineure, et nous parler nous les sept esprits qui devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, il y a sept esprits, d'après Revelation chapter. First verse 4. Okay, the one who is, who was, and who is to come is none other than Jesus, than God. Okay, Mounsa qui là, qui était là et qui a venu, n'est pas l'autre que Jésus-Christ, n'est pas l'autre que Dieu et Dieu seul. He say Almighty, Almighty Sovereign, who is confirmed in verse 4 that he is the Alpha and the Omega, said the Lord. Et lui-même lui déclarer qui est-ce que lui est, lui dit que ça lui est, c'est Alpha and Omega. Et nous connaissons que l'Alpha et l'Oméga, et bien que c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui-même qui commencement, c'est lui-même qui fin, pas que l'autre encore. Donc, lui-même, ça qu'il dit, il était là, il a toujours là. Et lui-même, c'est lui-même qui souverain de l'univers. C'est pour que ça, quel que soit mon qui a frappé estomac, n'a pas évité pour pas frapper si fort estomac. Parce que il y a un seul souverain, il y a un seul grand, il y a un seul alpha. Il y a un seul Oméga qui sait qui est, l'Éternel Dieu, et c'est lui-même qui a contrôlé l'univers. Lorsque nous trouvons dans des situations, dans des moments côté que nous voyons que le monde a bouleversé, nous voyons que il y a pile tribulation, mais celui qui est Alpha et l'Oméga, il a le contrôle des événements.
Et parfois, que nous devons faire nos soucis, mais nous avons évité de ne pas faire trop de soucis et seulement remettre-nous entre les mains de celui qui est Alpha et l'Oméga. C'est toutefois que vous trouvez entre Alpha et l'Oméga, ou pas gagner pour peur, ou pas gagner pour trembler, parce que celui qui est Alpha et l'Oméga est capable de sortir de quelque situation que vous êtes capable de trouver. Maintenant, le nombre 7 dans la Bible. On a une histoire du nombre 7 dans la Bible. On a essayé de quelque là-dedans. Parce que il a parlé en pile du nombre 7 et c'est un nombre qui est très significatif. Il y a un nombre qui explique en pile bagaille. Et nous prenons le nombre 7, il a utilisé en pile fois. Les Israélites l'entendent, bon Dieu, à la création. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il travaille 6 jours et il repose le 7e jour. God rests on the 7th day after the 6th day of creation. In reality, 7 long periods, d'après Genesis chapter 2, verse 2 and 3. Nous parlons, bon Dieu, il travaille pendant 6 jours et 7e jour à lui reposer. Donc, c'est un magasin qui marquait l'histoire, qui marquait l'histoire du monde et le chiffre 7 est très, très significatif. Nous parlons de Josué lorsque bon Dieu a bâti la ville de Jéricho. Maintenant, il a fait le tour de Jéricho pendant 6 jours, une seule fois. Et lorsque il arrive sur le 7e, il a fait 7 fois. Et nous parlons de muraille à craser. Quelquefois, chers frères et sœurs, c'est important pour que nous capables prier et nous capables faire. Ça fait nous égayer pile fois. Il y a monde qui a prié, il a fait 7 prières, il a lu 7 psaumes, il a fait 7 prières, il a chanté 7 chants. Donc, il a toujours joué un résultat. En pile fois, il a joué un résultat. Et longtemps avant ça, le nombre 7 est vraiment significatif. Et en pile côté ou appliqué li. Yo te appliqué et ou suivre et te gen pile bagay qui te fait. Nous pralouè, c'est une raison qui fait Jacob. Jacob te travaille 7 ans pour te capable marier avec Rachel. Ok? Et mais yo pa, beau père li te trompé. Hein? His stepfather give him his oldest daughter. Hein? Au lieu que le travail bali, ça que le travail pour l'IA, 7 ans, et bien que lui est obligé de travailler 7 ans encore, parce que il était trompé, Jacob a obligé de travailler encore 7 ans pour le capable de joindre Rachel. Le beau-père a trompé lui, il travaille premier 7 ans pour Rachel, beau-père la bali, Léa, il trompé. Et maintenant, il a dit, bon, ok, puisque le travail 7 ans, non, il était obligé de travailler 7 ans encore, pour être capable de joindre Rachel. Donc, le nombre 7, eh bien, que pour nous dire, il était très significatif. D'après Genèse chapitre 29, verset 30. Donc, nous parlons l'histoire de Jacob, comment il pour être capable de marier avec une petite beau-père. Nous voyons qu'il était obligé de travailler des années pour le rejoindre. Ainsi, Joseph. While Joseph is imprisoned in Egypt, Jehovah God sent Pharaoh a prophetic vision in which 7 fats or cows are eaten by 7 tiny cows. Also, 7 full and beautiful ears are swallowed up by 7 empty ears, thin and burned by the wind. This vision symbolizes 7 of plenty, followed by the 7 years of famine. Nous connaissons l'histoire côté que roi Pharaon, côté que il fait une vision en Égypte, pendant que Joseph est trouvé en prison en Égypte. Le roi a fait une vision, lui, ouais. 7 vaches grasses dans la première vision. Hein? Et le pral ouè 7 vaches maigres dans la vision encore.
sept vaches grasses qui paraissent d'abord, et maintenant sept vaches maigres pour le paraître, et sept vaches maigres là pour le manger, cette vache grasse là. Et ouah, t'es vraiment et troublé le moment ça. Donc, c'est l'équipe qui a une explication, l'aurait les Joseph ou bas explication. Et le pralouer la même période, ça encore, sept épis pleins et sept épis flottants. L'y est sept épis flottants, ça pralé englouti sept épis pleins. Donc, l'y est senti le troublé. Et lorsque le tiré les Joseph, Joseph pral bal explication de ça que le ouais. Joseph pral bal les symboles là. Bon Dieu toujours utilisé des symboles, des images. Et nous est nombreux sept là, li vraiment important l'histoire de la Bible, l'histoire de l'humanité. Et maintenant, ça Joseph pral expliquer à Pharaon sept vaches grasses là et sept épis pleins, c'est sept années d'abondance. Sept années d'abondance côté pral gen en pile richesse, gen pile bien. Et maintenant cette vache maigre, et bien que et sept épis flottants, c'est sept années de disette, de famine qui va tomber en Égypte. Donc, pour nous capables de montrer nous, que le chiffre 7 est vraiment important, et nous-mêmes, en tant que les enfants de Dieu, nous-mêmes qui vraiment baillent en pile importance à prophétie, le nombre 7. Ligue importance pour nous. Pour qui ça me vient avec le nombre 7? Parce que nous dans le sixième millénaire actuellement. Hein, nous dans le sixième millénaire, nous prenons le débouché sous le septième millénaire là. Cela montrait que pendant cette septième millénaire là, something will happen. We do not know what will happen, but one thing that we know, something will happen. Gon bagay qui pral rive. Et nous voyons que le nombre 7 est très significatif. Et on nous avance. Maintenant, l'entend prophète Samuel, et bien que ça te relate encore, l'entend prophète Samuel. On nous voit le Samuel, et bien que prophète Philistin yo inflicté a heavy defeat on the Israelites and size the ark of the covenant. The defeat is due to the bad behavior of the son of the high priest Eli, Hophni and Phinehas. The ark of the covenant remained 7 months. Eli a eu un mauvais comportement, il a eu une attitude qui est agréable aux yeux de Dieu. Ça te permet à ce que Philistin a eu un mais que hache l'Éternel là. Et bien, acte de l'Alliance, là, acte de l'Alliance, là, il était prené. Et maintenant, ça te permet à ce que tu aies gagné une peste qui tombe sur les Philistins. With the Philistines. And the inhabitants of the town through which the ark passes are stricken with tumors. Hein? Lorsque tu prends hache l'Éternel là, ça te tombe sur yo. Et bien, bon, tu t'es inflicté avec une tumeur qui t'a battu au problème. Eventually, the Philistines send her back to Israelite. Et then, nous allons voir que dans 1 Samuel chapitre 6, verset 1er. Ça, c'est pour vous montrer que le chiffre 7, comment que est important, et tu n'es pas obligé de prendre 7 mois. Hein? 7 mois. Et maintenant, nous allons voir comment que le peuple a été capturé Jéricho. Hein? Capture Jéricho. Jéricho, nous connaissons que bon Dieu te baille peuple Israël, mais le pas de baille, il pas de Dieu pour préparer la force. Et muraille Jéricho était vraiment une muraille qui est très forte, une muraille qui est puissante, une muraille qui pas renversée. Les habitants de Jéricho se sentaient vraiment aimés que. Et en sécurité, mais tandis que devant bon Dieu, pas gagné qu'en sécurité. C'est seul bon Dieu capable de bailler sécurité. Les hommes, les choses éphémères ne pouvaient procurer la sécurité.
Et parce que nous parlons que les enfants d'Israël, comme nous avons mentionné au commencement, et bien que God garde comme un des Israélites tout, hein, tout marche. Et Raoun Jericho l'aide by seven priests. Ouais? Donc, il était vraiment spécifique. Il était obligé de prendre sept prêtres qui t'a blow seven trumpets. Hein? Il prend sept prêtre qui tape sonné sept trompettes et ceci pendant sept jours autour de Jéricho. And the seven day où il était arrivé de marcher autour de villa sept fois d'après Josué chapitre 6 verset 15. Maintenant nous voyons que lorsque il tape marché sept fois, il gagnait sept prêtres, sept trompettes pendant sept jours, et on t'a fait li pour parler qui s'est merveille qui t'est arrivé. Donc, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, eh bien que le nombre 7 est très significatif. Donc, nous encore dit, nous dans le septième millénaire, maintenant nous prenons l'atteindre septième millénaire, sixième n'a passé, nous dans le septième millénaire. Donc, quel bagage qui va arriver? Et chaque septième n'a gagné un événement. Et mais que pral gagner, doit gagner un événement pour la terre. Et maintenant, nous allons voir encore le nombre 7, David, hein, after David's sin with Bathsheba, et mais que in the murder of her husband, hein, husband, the prophet Nathan announced that God will kill the child. For 6 days, David refused to eat. On the seventh day, the child dies. And then, nous parlons que ça va passer, David va le manger dans le sac. Parce que nous connaissons l'histoire de David avec Bathsheba. L'aller vers Bathsheba, lui coucher ensemble avec lui. Lui fait à ce que Uri capable de mourir. Lui prend Bathsheba. Et bon Dieu, voyez Nathan, elle parle avec lui, dit petit, elle va mourir. Et pour que pendant des jours, ça David fait, pendant 6 jours, il n'a pas mangé, pendant qu'il était malade. Et maintenant, il a prié. Et nous avons le 7e jour, puis il a été mort. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas capable de passer le 7e jour. Donc, quelque chose est capable toujours de passer. Israël, Israël, the Israelites have been suffering for 3 years from the famine imposed by God because of an agreement that was not respected. Lorsque nous parlons que le roi Saül a tenté to exterminer the Gabaonites, when a covenant had been made with them in the name of Jehovah. To stop the plague, David must deliver to them 7 descendants of Saul who will be hanged in Galilee. Donc, cela montrait que, après que Saül te fait ça qui n'est pas bon, et bien que David pral arriver pour restaurer, sept descendants Saül te obligé pendre dans un endroit où il est Gibea. Et bien, dans la ville Saül la même. Donc, pour te capable de restituer, mal que le te fait, hein, action coupable que Saül te fait, hein, sept descendant le Saül, mais que tu doué pendre dans cité ça. Ça nous lit dans 2 Samuel chapitre 21 verset 6. Donc le nombre 7, c'est ça que n'a metté accent après-midi. Et maintenant temple Jérusalem n'a été dédicacé. C'est pas vrai? The temple of Jerusalem dedicated to the worship of God. Hein? Of the Elohim was built by King Solomon in 7 years. Bon, top là, pas capable de passer plus, il doit prendre 7 années pour être capable de construire, d'après 1 Roi chapitre 6, verset 37 et 38. Et nous allons prendre à le général syrien, le chief, le général syrien, qui c'est Naaman. Naaman, lorsque il prend, eh bien, lèpre, il a souffert avec la lèpre,
Et mais que la petite fille annonçait que s'il trouvait-li à Samarie, côté roi, côté, et mais que prophète l'Éternel laïe à Samarie, à savoir Élisée, et mais que l'est capable de guérir. Et ainsi, nous prenons que Naaman, roi, et Syria, pral bay Naaman, et mais que yon lettre pour porter à roi Israël là. Et lorsque le rivé, roi, vraiment, trouvait le perplexe, et Kounia nous pral ouais que li pral poté ou pral voyer et bien que Élisée pral mandé pour que le vienne joindre lui et pral ouais que li aller lorsque le rivé en ouais ça que Élisée pral dit lui Élisée pral mandé pour que le plonger sept fois dans fleuve Jourdain. Ça te paraît ridicule parce que le pas t'attendre ça. Et maintenant Naaman the chief of army of the king of Syria is suffering from leprosy. Under the advice of Elelo, Jewish prisoner, in the service of his wife, he goes to see Elisha, who tells him to wash himself seven times in the Jordan, the river that passes through Lake Tiberias, to flow into the Dead Sea. After immersing himself seven times in the Jordan, Naaman's flesh become pure again, like that a young child. Après que le fin plongé sept fois, et bien que nous pralouer, quand Naaman, et bien que retourner comme nous, comme un petit moun, un petit bébé, le fin plus en forme que Jean que le déye avant. Et c'est pour que ça m'a demandé, nous, parce que même qui a fait qui trouve dans des situations difficiles, qui trouve dans une vie qui est un peu perplexe pour vous, prends temps prier. Sou capable faire sept prières, faire chanter sept chants, sou capable faire sept jeûnes, faire parce que gagner délivrance alors que dans le nombre 7 est très significatif pour les enfants de Dieu. Et maintenant, nous prenons le début de Nebuchadnezzar après que le t'ai montré à Ogansli, hein? Nebuchadnezzar. Après que le t'ai fait monter à Ogansli, il était comprendre que il était all that, hein, in the world. Il était comprendre que à Babylone, c'est lui-même seul qui coq chanter. C'est lui-même seul qui contrôlait l'univers. Parce que n'oubliez pas Nebuchadnezzar, il était un empire mondial, hein. Il était premier Babylone, c'est lui-même qui était premier empire mondial qui t'a dominé le monde. Et bien que bon Dieu pralé, et bien que puni, et bien que Nebuchadnezzar pour combien de temps? Pour 7 ans. Elle pral bal 7 ans de punition. Et nous pral ouen Nebuchadnezzar pral arriver manger zèb pendant 7 ans. Donc cela veut dire que l'itéri atteint le nombre parfait. Et par conséquent, l'itéri pas capable prend plus. Et l'Éternel te après, pendant 7 ans ça, monsieur fin prend toute punition. Après 7 ans, il pral reconnaître l'Éternel comme Dieu et il pral retourner dans normal. D'après Daniel, chapitre 4, versets 13, 22 et 29. Et maintenant, nous sommes capables de découvrir l'exemple de Sayo. You can discover many other examples in this subject. The number of 7 in the Bible. The number 7 in Mosaic law conclude between Jehovah God and the Israelites. Nous parlons de 7 candlesticks built by Moses for the tabernacle has 7 lamps. Et dans nous lit Exodus 25, verse 37, nous parlons que gagner 7 lampes, hein? Gagner 7 chandeliers d'or. Donc tout ça pour expliquer l'importance de cela. Et nous parlons le sabbat. The sabbath is the holy day. For 6 days, the Israelite does his work, but on the 7th day, the Sabbath day, he must not perform any works. He rests so that his ox and his donkey may rest, and so that the slave and the stranger may catch their breath. Indeed, Jehovah God created everything in 6 days, or 6 periods, and on the 7th, he rests. Exodus 20, verse 10 and 11.
Exodus 23, verse 12, Exodus 31, verse 15. Nous connaissons l'histoire, nous tous. Côté que bon Dieu, il travaille 6 jours, il repose le 7e jour. Et maintenant, ce qui est plus important là-dedans, en ce jour qui est le 7e, bon Dieu reposait, non seulement il bail l'ordre, lui-même le fait, il bail l'ordre à Israël. Ni bourrique, ni ça qui la caille, ni bœuf, ni serviteur, moun ki esclave, et tout ça la caille Israël doit reposer. C'est pour que ça, nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, eh bien, nous devons que suivre même exemple ça. En le jour du sabbat, côté que tout ça qui appartient à nous-mêmes doit reposer. Hein? Machine nous doit utiliser seulement pour l'église. Il doit reposer en sabbat. Hein? Ou pas le droit en sabbat, c'est laisser pour faire une série de bagailles, pour travailler, pour faire ceci ou cela. Eh bien, que tout ça qui appartient à vous-même, est-ce que vous êtes capable de prêter cheval, moins millet, moins bourrique, moins l'anjou sabbat pour aller, parce que c'est un ami, moins pape travail, moi-même, moins balé. Non! C'est pour que ça gagne des business que, eh bien, que chrétien n'est pas capable de faire. Chrétien n'est pas capable de faire parce que il y a un pile business qui gagne loi là-dedans, yo, pour que vous capable, eh bien, que faut bail service chaque jour, le 7e jour, n'est pas exempt. Donc, par conséquent, eh bien, que par exemple, que le monde qui n'a pas gaz, maintenant, gaz là doit faire service pendant 7 jours, 7 sous 7. Et bien, l'autre bagaille encore, que, eh bien, que vous joignez que vous devez travailler 7 sous 7. Donc, en tant qu'adventiste, vous n'êtes pas capable à l'église, ensuite business ou l'ouvrir. C'est ça fait que l'adventiste n'a pas fait partenariat avec n'importe monde, avec monde qui est infidèle, avec monde qui n'est pas chrétien. Eh bien, que si toutefois, on ne fait pas partenariat avec un monde qui n'est pas chrétien, imaginez oh, maintenant, pendant que vous avez adoré, mais business n'a pas travail. Business l'en lit en action. Donc, cela montre que vous n'avez pas vraiment respecté l'ordre du Seigneur. L'important pour nous capables de comprendre ça. Donc, le 7e jour, tout ça qui appartient à vous-même doit reposer, doit suivre les traces de Dieu. La terre aussi, tu dois reposer en Israël. Même terre, parce que bon Dieu t'est passé l'ordre à Israël. Il dit, the land can be cultivated for 6 years, but in the 7th year, it must rest. The poor and the beasts of the field eat what is left. Exodus 23, verse 10 and 11. Terre là, tu dois travailler, ou dois travailler la terre, mais pendant 6 années. Hein? 6 années des Israélites, l'ordre de l'Éternel. Tu dois travailler là pendant 6 ans, mais pendant 7e année, tu dois être là, dois reposer. Et ça que tu es là pour le produit pendant 7e année, mais que pauvre, bête, mais que tu es capable de joindre pour manger. Donc, ici que mon Dieu fait provision pour l'humanité. Les préparer toute bagaille, malheureusement, les hommes n'ont pas respecté l'ordre de Dieu. Et puisqu'ils n'ont pas respecté l'ordre de Dieu, les hommes viennent frapper de toutes sortes de pestes, de toutes sortes de problèmes, de toutes sortes de calamités, parce qu'ils n'ont pas suivre l'instruction de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous appelons pour nous suivre les instructions de Dieu. Nous voyons, eh bien, que « who touch a human corpse » is unclean for 7 days, d'après Numbers 19, verse 11. Yon moun ki touche yon corps mort, mais que moun sali impur pendant 7 ans, pendant 7 jours, c'est-à-dire, pendant 7 jours. Et maintenant, moun sa pral mande pour la purifier. The 7 days of atonement, or day of atonement, or day of propitiation takes place on the 10th day of this 7th month. On this occasion, bull's blood, bold and gold blood is sprinkled 7 times in front of the mercy seat of the ark of the covenant. And it is sprinkled 7 times on the altars. In addition,
to the sacrifice of atonement. 7, 1 year, all lambs without blemish are offered as a burning offering to Jehovah. Leviticus 23, verse 26 to 37, 32. Donc, on capable comprendre l'importance du nombre 7, donc qui est très significatif, qui est très explicite pour que nous capables comprendre et pratiquer. Même le moment que tu as fait purification, le temple, et moment de propitiation, et moment que tu as fait le Seigneur, tu connais le Yom Kippour. Donc, côté que tu as toujours mentionné, même quand c'est la dixième fois à faire, mais tu dois faire le septième mois. Et toujours gagner une connexion avec le nom, le chiffre 7, pour que toute bagaille soit capable de sortir bien. Et nous apprenons every 7 weeks of a year, or every 7 times 7, 49 years, the day of atonement mark the beginning of the Jubilee with the sound of trumpet. Nous parlons que pendant 49 mois, pendant 49 années, pendant que soit tu es un esclave, hein, ou bral prend soit tu es un esclave, et bien que lorsque le fin passé, nombre de temps ça te vend tête à cause li te pauvre, li te en misère, pas ka manger, li te obligé trouver un moyen pour vivre, pour te ka survivre, li te vend tête li ou bien te vend un bien li. La 50e année, li te doit restituer. Et maintenant, lorsque pour te faire c'est pour te capable joindre période 49, là c'est 7 times 7. 7 times 7, qui est 49, et 50e, non, l'été doué reposer. Et c'est ce qu'on appelle jubilé. C'était un jubilé pour la terre, 50e, non, côté que esclave la joue une liberté, li, et maintenant, côté que, eh bien, que propriété a restitué à moun qui te venir, et le pat doué prend rien là-dedans. Donc c'est pour que ça, lorsque en Israël, le tap venu terre, yo calculé à combien période de temps jubilé va arriver pour que yo t'es capable estimer prix propriété a pour que yo t'es capable suivre parce que on est après pendant jubilé a il moun sa qui t'acheté là il va le remettre les quand même donc ainsi il était toujours 7 times 7 donc 7 est très important et nous va arriver le moment côté que nous va nous possibilité pour nous faire des questions le nombre 7 and Jesus tell Peter that he must forgive his brother, not up to 7 times, but up to 7 times 7, up to 77 times. The repetition of the number of 7 implies limitless forgiveness. Matthew 18, verse 21 and 22. Donc, nous parlons que Jésus, lorsque Peter va le présenter à Jésus, il dit, Jésus, combien de fois que je suis capable de pardonner à Frem lorsque le péché contre moi-même? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Parce que peut-être qu'on est le nombre 7, il n'est pas capable de passer. Mais Jésus va le balayer l'autre baguette, il va le dire 77 times. Donc, cela a montré un nombre incalculable pour pardonner. Et maintenant, on dit, on broke the 7 laws to feed a crowd of 4,000 men, they remain at the end 7 baskets full of pieces. Mark 8, verse 20. Donc, on va voir Jésus, lorsque il te coupe pain, il te prend 7 pains, et il t'a distribué, il te sept paniers qui te restent. Jesus explained that a demon or unclean spirit that came out of a man comes back with 7 other spirits worse than him, which aggravate the man's condition. Matthew 12, verse 45. Et dans l'histoire, ça, côté Jésus racontait que si un monde te possède un mauvais esprit, il chassé, et bien que lorsque le fin chassé, il pourrait faire le tour. Et lorsque la retourne, la prend 7 autres esprits, beaucoup plus méchants que lui-même, pour le capable de venir occuper position ça.
C'est pour que ça que les esprits, lorsque vous montez en bas au mauvais esprit, et sous votre foi, vous qui convertit, yo, lorsque vous quittez, vous abandonnez la foi de Dieu, vous avez plus méchant. Donc, parce que l'esprit qui était là maintenant, lui retourne avec sept lots plus grands, plus mauvais esprits pour rentrer dans le monde. Ça. Et maintenant, nous prenons le nombre 7 in the book of Revelation. In the book of Revelation, the number 7 comes up very often. Nous prenons 7 churches, 7 spirits, 7 golden candlesticks, 7 stars, 7 burning lamps, 7 seals, 7 horns, 7 eyes, 7 angels, 7 trumpets, 7 thunders, 700 men, 7 herds, 7 diadems, 7 bulls of gold, 7 mountains, 7 kings, 7 plagues, 7 bulls of the wrath of God, 7,000 men killed. When we read Revelation chapter 2, verse 1, chapter 5, verse 1, chapter and 6, chapter 8, verse 6, Revelation 10, verse 3, Revelation 11, verse 13, Revelation 17, verse 9, Revelation 9 and 10, Revelation 21, verse 9. Nous voyons que le nombre 7 est mentionné en pile dans le livre de l'Apocalypse. Et il est vraiment très significatif. We have seen that number 7 generally describes a total and important event. The number 7 relates the plenitude, perfection, power, totality, and glory. The event of the apocalypse will be accomplished in a bright, total way, with power and glory, and will concern the inhabitants of the entire earth. Et il concerne tout le monde. Donc, chers frères et sœurs, et de vous parler sept églises. In the verse of Revelation chapter 1 and chapter 1 verse 4, we have 7 churches in Asia and 7 spirits before the throne. Revelation first and say, John to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is, who was, and who is to come, and from the 7 spirits which are before his throne. In this chapter, brother and sister explain. When we are capable to read verses, chapter 2 and 3, nous parlons les 7 églises d'Asie mineure que apôtre Jean te recevoir mission. Il te recevoir l'ordre. Et bien que pour 7 églises, 7 esprits, however, this message was addressed to all Christians on the earth, represented by 7 churches. Et bien le message, ça pas pour seulement eux-mêmes, mais c'est pour tout habitant de la terre, pour tout chrétien qui sur la terre. Et juste avant nous finir, pour nous capables de possibilité, pour nous capables poser au moins des questions, et bien que the Greek word pneuma, translated by spirit, can designate the Holy Spirit or a spiritual being such as an angel, for example. What about he? John tells us in the verse of Revelation 1, verse 4, that the 7 spirits are before the throne of God, the Almighty. From him who is, who was, and who is to come, God, the Almighty. And from the 7 spirits, pneuma, who are before his throne. Donc, we find this same 7 spirits a little feeder in the description of the throne of the Almighty. OK, là nous lit, mais qu'une parole, 7 esprits, 7 lampes, et bien que qui très significatif. Maintenant, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, et maintenant, c'est pour vous dire que combien le nombre 7 est très significatif, nous-mêmes qui parvenir à la fin des temps, nous-mêmes qui vivons le temps
côté que nous connaissons que gain 6e millénaire qui déjà écoulé, hein? Maintenant nous prenons l'atteindre 7e millénaire là. Et bien que dans 7e millénaire, il y a un bagage qui doit faire. La terre doit reposer le 7e millénaire. C'est pour que ça que je dis à nous un pile événement qu'a fait. Un pile problème a passé, un pile catastrophe a bagage. C'est la montrer que vous pas besoin de bouleverser ou, parce que il y a un bagage qui doit arriver. Et bien, ça qui doit arriver, la terre il doit reposer dans 7e millénaire là. Parce que le nombre 7 l'est mentionné plusieurs fois, et maintenant, à la fin de sixième, yo, toujours septième, dans débouché avec un événement qui est très important. Maintenant, pour nous capables de finir, the light emitted by the lamp of the chandelier contrasts with the darkness of the night, just as the divine light illuminates the steps of men and guide them in the darkness and ignorance of this world. Light represents instruction, understanding, wisdom, truth, clarity, and of divine teaching. Lorsque nous lisons des versets que Job 29, verset 3, eh bien que lumière là, lui représente instruction, comprendre la compréhension de la parole de Dieu, sagesse que nous devons trouver dans la parole de Dieu. Eh bien que c'est pour que ça, nous, en tant que chrétiens, adventistes, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. The truth que nous trouvons dans la parole de Dieu. La clarté que nous joignons dans l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela que chrétien, il doit étudier la parole de Dieu. Job dit ouais, ça, Job 29, verset 3. Job, Proverbe 6, verset 23. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 27, verset 1er, qui dit que. Mais que l'Éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte. This is the reason why glorified Jesus appeared to John in the middle of this of seven golden candlesticks. Therefore, in the middle of 7 times 7, 49 lamps. Revelation 1, verse 12 and 13. Lorsque nous lisons 43, verset 3, il dit, nous, send your light and your truth. May they guide me and lead me to the holy mountain and to your dwelling place. Nous besoin de la lumière de la parole de Dieu pour nous conduire, pour nous diriger sur la sainte montagne de Dieu, afin que nous puissions demeurer en place l'Éternel là. Ainsi, chers frères et sœurs, chers amis, auditeurs, nous camper là avec étude cet après-midi, que nous voyons que nous parlons en pile de Serven, le nombre 7, qui est très significatif en ce dernier temps. Que le Seigneur vous bénisse, et maintenant, à vous pour les questions, lumières et suggestions, s'il y en a. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Oui, merci, frère Mathieu, pour... Et si là, on étudie vraiment riche, et je crois qu'il bénit tout en même temps. Et ça que nous avons dit, est-ce que y a un bagaille de Genèse, Apocalypse, y a un verset dans la Bible que l'homme pas capable de droit pour ne pas obéir? Donc, OK, merci, frère Blaise. Est-ce que on partit dans la Bible là, est-ce que de Genèse à l'Apocalypse, est-ce que un verset qui est capable de dire l'homme pata pour l'homme qui recommande l'homme pour pas obéir? Non du tout pas. Parce que la Bible c'est l'obéissance. Et seul monde qui est capable de désobéir, c'est monde qui a suivre la voie de l'ennemi. Voie ça qui t'a poussé nos premiers parents Adam avec Ève à désobéir à Dieu. Donc c'est seulement un verset ça. Après ça, pas de verset qui du tout dans la Bible là, qui dit que ou pas doit obéir. Du tout pas. Yeah. Et ça veut dire que si je comprends, quel soit le monde qui dit yo remè bon Dieu ou yo a servi bon Dieu, qui pas obéi avec yon bagay que bon Dieu, ça veut dire que ça son monde qui a servi bon Dieu sous chance, comme Zinadou, un monde qui connaît en vérité, dit bon, ok, je connais bon, ma prends chance, je me fais quand même, bon, s'il d'accord, d'accord.
Ça veut dire que bien comprendre c'est comme ça en pile monde prend choix pour servir bon Dieu. Et gon bagarre sou di nan la m'te met accent sou li bon met accent sou tout sort diable bon pa ka aller sou tout moi même pas parti c'est que nan domaine où sou di gagner business que on croyant pas ka faire comme qui non croyant ça veut dire ou pas capable c'est ça nous t'appelle dit sou d'abord moi ni monde t'appelle un compromis parce que ou pas capable chrétien ou pas gain foi ou pas ka dire ah parce que moins bien qu'un tel, ça veut dire que pile monde mais ça y est pour le bio frère monsieur. Yo paix comme si n'avait tellement présent, yo tellement paix présenté yo pour qu'on qui est lié, c'est que moun n'a pensé que zanmi taim 3 ans mi saint tel 3 ans mi un frère un tel, alors même dit que tel n'a pas dans sens moderne, n'a pas parlé dans sens et en moi-même qui chrétien, pas parlé dans sens chrétien. Ça veut dire moun n'a pensé que dire que il présente les gens ou représente l'écriture là pour lui licencier les blasés comme si d'adou mon apprend pour n'importe qui ça veut dire pour cette fois lui ou pas obligé dit on mon cher on pas capable de cheval là non ou dire pour mon et ben bon monsieur chrétien connaît business là faut j'attendre samedi on pas capable là de moi même bonne c'est fait nous pas capable faire ensemble mais mon tellement en flatteur ni tellement à chercher lui mettre vie chrétienne tel ange là servir bon Dieu obéissance à Dieu ange là devant et c'est ça que nous dou que gain mon c'est sous chance lié la c'est bon Dieu comme si lui pas aller à les écritures mais lui aller dépasser lui même lui penser que bon Dieu a cité le janvier. Merci. Merci frère Blaise, donc qui est très important nous en tant que chrétiens, donc c'est pour ça que nous avons que gain pile problème à l'intérieur de l'église. Bible yo risque mettre les données de la Bible à l'écart pour être capable de faire ça qui est bon pour vous. Un chrétien ou pas capable du moins d'observer le septième jour, à adorer bon Dieu en esprit et en vérité, pour faire des compromis, hein, pour désobéir à l'ordre de Dieu. Le septième jour, ou prend l'église, tandis que le septième ou gain famille, ou, eh bien, qui prend aller dans l'autre sens. Ou pas gain droit gain business ou, eh bien, que pourrait que business n'importe l'ouvrir le samedi. Et maintenant, puisque vous avez un partenariat avec un monde qui n'est pas adventiste, qu'on y a obligé de l'ouvrir. Donc, en tant que chrétien, nous doués pour que nous soyons capables de comprendre ce que bon Dieu attend de nous, ce que le voulait de nous, pour que nous soyons capables vraiment des personnes idéales, parce que nous représentons Dieu sur cette terre. Car nous sommes capables de constater que ce monde, c'est un monde corrompu, c'est un monde qui est tombé en déconfiture, même sur nous-mêmes, capable d'une odeur agréable, sont nous-mêmes capables de dégager une vie modèle qui est capable de ramener des hommes à Dieu. Merci. Amen. Amen. Oui, frère, merci, c'est le sujet du septième millénaire. Là. C'est-à-dire que, bon, dans le premier temps, on sait des gens qui ont dit que la terre a des milliards d'années, bah, ça, même pas mon côté, je ne sais pas. Et quoi faire? Nous connaissons que la terre gagne 6 millénaires qui passent. Mm-hmm. Ouais, 6 000 ans passent. Et nous connaissons, nous tellement suivre avec attention sur le chiffre 7 là, et tout le monde connaît le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Par exemple, un bon Dieu créé le ciel, la terre, tout le monde continue en 6 jours, et puis le 7e jour, il se repose. Et moi, je m'ai demandé est-ce que. Donc, on est appelé deux types de résurrection. Il y a la première résurrection et la deuxième résurrection. La première résurrection, c'est le monde qui croit dans le bon Dieu, qui croit, qui mourit dans Jésus, et que le Jésus est venu, il s'est levé avec un corps immortel, un corps incorruptible, on s'est levé vêtu de robe de perfection, et puis ensemble avec le monde qui sous terre n'a pas été mouru. Parce qu'on s'est là, dans un clin d'œil, et puis il y a prouvé d'un corps immortel et un corps incorruptible, et puis une pape devant l'autre, et puis on a pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a l'autre qui est venu après le jugement. Pas oublier que vous connaissez que Satan qui vous passer 1000 ans en prison. C'est-à-dire, on m'a demandé que, est-ce que c'est l'esprit de la prophétie qui a dit ça? Est-ce que
monde qui a ressuscité premièrement, est-ce que c'est pas au commencement du 7e millénaire, pendant que Satan a purgé 1000 ans en prison, et à la fin du 7e millénaire, que l'autre monde a levé, a pas levé pour le jugement? Qu'est-ce que vous pensez? Merci, frère Mesfer. Donc, nous pas capable de spécifier que c'est le 7e millénaire. Maintenant, ce qui attire l'attention, c'est que sujet-là, il y a plusieurs portées que vous voyez là, il y a l'autre sujet en dedans. Maintenant, ce qui arrive, c'est que nous connaissons une bagarre qui est certaine. Dans le 7e millénaire-là, il doit y avoir une bagarre qui est faite. Par exemple, je dis, nous sommes capables de constater, nous, dans l'année 22, hein, nous, 2022. Maintenant, que j'avais dit, nous, dans 22 années, qui commençait avec le 7e millénaire là. Maintenant, nous ne connaissons pas la mi-temps ou bien après, combien de temps encore que l'événement s'apprête à produire. Et pendant que l'événement produit, la terre prend en repos. La terre prend en repos. Et c'est ça, eh bien, que est capable de commencement, lui. Pendant que le 7e millénaire là, Satan prend aller dans une situation, dans une prison de non-fonctionnement. Et à partir de ce moment, élu va le sauver. Maintenant, ça que nous ne sommes pas capables de dire exactement, eh bien, que quelle période que l'il y OK? Maintenant, ça que nous sommes capables de dire pour nous. En ce qui concerne, donc, eh bien, seulement nous avertis. Ça qui est important, nous joindre avertissement pour que ou capable arranger ou capable de mettre l'ordre dans la vie ou, parce que gagne un 7e millénaire, même Jean la tête, il doit reposer pendant 7 ans, 7e année. Dans tout Israël, toute Palestine, que la terre, lorsque vous finissez de travailler, vous êtes pendant 6 ans, 7e millénaire doit reposer. Maintenant, la terre, l'arrivée, dans une période pour prendre un repos de 7e millénaire par lui. Donc, par conséquent, à bon entendeur, salut, c'est que Jésus pas loin pour le retourner. Alors, Amen. Oui, Amen. oui, alors, nous t'avons dit que, frère, mais c'est une des questions, sont belles questions, mais nous-mêmes, nous là pour nous aller avec ça, la Bible dit. Alors, comme les grands précisions, en fait, ils ont appris pour les sous-prophéties, pas expliquer ça. Je pense que c'est expliquer ça, même d'après Tom Gelegis, nous avons entendu un bail comme ça. Je ne sais pas. Et puis, tout, la Bible, lui-même, lui parlait exactement, même qui était sur l'ancien, en nouveau. Dans l'Apocalypse, c'est que nous, ouais, c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui condamnait la parole, les témoins de Jéhovah. Comme si la Bible parlait de et la terre, la première celle, la première, et première celle, première terre d'Israël, qu'on a même eu doux consacré, et pas vrai, et bon Dieu, pas la bien fond. Ça veut dire, c'est ça, m'sou doula la talé là. Bon Dieu dit à faire qu'on y a même fait choix pam et puis et comme ça ce sont des mondes qui essayent bon Dieu sous chance comme si qui dit m'a prend chance moi ça le fait le fait ça veut dire nous la Bible ici qui est clair comment retour là comment mon yo mon ça veut dire les mon yo vini Jésus est vini et mon yo et l'homme mon qui pat mouri en Jésus-Christ yo il y a privé mais il a tombé face contre terre et c'est laisse à mon se reparer sous terre doucement. Qu'on a Satan pas besoin de monde pour le c'est dans la période 1000 ans, ça, et puis nous-mêmes, monde qui sauvé au dans le ciel. Qu'on a c'est dans tout, qu'on a la nouvelle Jérusalem, d'après Apocalypse 21, eh bien, nous voyons que qu'on a là, c'est laisse à la nouvelle Jérusalem, dans l'écran des saints, qu'on a là, Satan, moun sa yo pral resize, c'est ça, bien pile moun ki te vi konsa, surtout les protestants, yo dou konsa ki pral gen on lot chans, pral gon tral. Pas de aucune chance encore. Retour ça, c'est boulé, cancané, la table d'une cancané. Satan tap flané pour contre li comme un bouc fou, parce que li pa gen moun pour te faire pécher, ses ossements qui sous la terre sèchement, parce que moun sont pas ressuscité. Qu'on y a là, c'est moun so qui va le ressusciter, qu'on y a pour y a attaquer l'écran des saints. C'est ça la Bible expliquée. Il va Merci. expliquer l'autre en rien encore. Merci. 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 Maintenant, ça que nous voulions ajouter, c'est que ça, c'est ça. Et maintenant, nous avons un sujet qui est venu sous lit, qui est discuté, discuter, parce que c'est le livre de l'Apocalypse là que nous voulons étudier en général. Et maintenant, ça qu'on va dire, donc, son frère et Mesmet est avancé, c'est qu'il était parlé de
et mon terre là yo considéré que il gagne des milliards d'années. Maintenant nous dit que mais côté que la science que l'est capable baser lui et c'est lorsque on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc commencement ça nous pas connaît qui période que lié. Commencement ça nous pas capable baler une période de 1000 ans, nous pas capable baler période de 2000 ans, de 6000 ans. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc avec thème ça yo capable yo venir avec les pour capable dire que la terre il gagne des milliards d'années. Ça que nous pas privé dans discussion, ça que ça sont bagages scientifiques, non bagages que yo capable analyser, mais en ce qui concerne l'existence de notre monde, l'existence de notre monde physique matériel, eh bien que il gagne 6000 ans là-dedans. Mais lorsque on rentre côté Obral dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, mais à savoir que la terre était forme et vide, à partir de ce moment, on n'est pas capable de déterminer le nombre d'années existence la terre et les cieux. Ainsi, chers frères et sœurs, nous avons campé là pour après-midi, pour nous capables de conclure à l'étude là, le nombre 7, pas oublier que nous avons parlé des 7 églises, nous avons gagné pour nous attamer les 7 églises plus devant, et nous avons parlé du nombre, nous prenons plus le nombre 7, et nous parlons de Jésus, qui est mentionné en pile fois 7 là. Et nous avons un pile événement, un pile event qui passait pendant le nombre, en cette fois. Et maintenant, pour capable conclure, the burning lamps also remind us of the lamps of the ten maidens in the parable of Jesus. Half of them had no oil for their lamps and could not join the bridegroom. Matthew 25, verse 1 through 17. The spiritual oil represents what allows true Christians to shine as sources of light, that is the Holy Spirit. This is what we need at this time, who gives a right and full understanding of the Word of God. The seven spirits that are before the throne of the Almighty are seven fiery lamps that symbolize the Holy Spirit of God in action in its fullness and maximum power. All the encouragement, warning, advice, exhortation of Jesus Christ concern all human. They are addressed to all of us. The advice given to the seven churches of Asia Minor concern all Christians. May we give them full attention. Nous devons faire full attention à conseil sa yo, à avertissement sa yo qui adressé à cette église d'Asie mineure. Et nous gagnons pour nous les églises d'Asie mineure. Par conséquent, chers frères et sœurs, nous besoin l'Esprit de Dieu pour permettre à ce que nous brillions. Nous besoin mettre l'huile dans la lampe nous pour que nous capables allumer. Et c'est pour nous capables de jouer une bagarre ça, c'est à travers la parole de Dieu. C'est pas seulement lever chaque samedi ou aller à l'église. Ou va le dire, garder l'Esprit. Tandis que la semaine, où sont l'autre monde. Ou pas raffiner, ou pas prendre contact avec la parole de Dieu, ou pas prier, ou pas étudier. Maintenant, besoin rester en contact avec la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit de Dieu soit capable d'alimenter. Que mon Dieu bénisse nous et que capable d'aider nous à pratiquer sa parole et à demeurer dans sa parole. Merci. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta grâce infinie, ton amour incommensurable, pour ton Saint-Esprit à l'œuvre au milieu de nous. Aidez-nous à rester connectés avec toi et d'être alimentés par ton Saint-Esprit. Bénis chacun de nous, chaque auditeur qui t'attendait nous après-midi. Et pour que l'Esprit soit capable de saisir nous chaque jour, afin que nous connaissions l'inquiétant que nous y est. C'est le temps de nous préparer, car Jésus, notre divin sauveur, revient très bientôt. Bénis-nous, sauvez-nous, car nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Que... Amen.